C'est la manche, c'est chouette, on fait plus popote. Hop, débarrasse la vieille. Pardon, tu fous quand même rien. Hein? Manger mon sort, tu chat avec le fromage. C'est une biscotte. Un biscotte. Youhou! Youhou! Et tu l'as déjà mis en route? Oui. Putain, ça fait déjà un moment. Ah, mon estomac. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Surtout la santé. Ouais, comme d'habitude, la routine. Ouais, il fait cri dehors, il pleuvait. Ouais, il a plu toute la nuit. Mais là aussi, avec il pleuvait. Beaucoup de vent. Oui. Et après, oui. Aujourd'hui, on est vendredi. Oui, c'est bon. Vendredi le 10, je crois. Voilà. Oui, je sais, avec toi, tu es au niveau vendredi, tu as. Bon, t'as dit, c'est ça. Non, rien à dire. Ah bon? Voilà. Mais alors, si j'ai envie de te le dire. Non, j'ai acheté des pommes. Je vais passer au pointeur où on cherche toujours la viande. Enfin, toujours, enfin, une fois tous les 3-4 mois. Ouais, bah. Parce que oui. Quand on est seul, on achète, mais après, ça se compte. J'ai pris des pommes granit, j'étais contente parce qu'ils n'en ont pas toujours. Regardez comment. Et j'ai pris des tomates. Pour eux, c'est taille normale, mais c'est la taille d'une tomate. Ah. Vous savez, les tomates à farcir, elles sont énormes. Mmh. Et puis, je ne trouvais pas trop cher. Ça va encore, je trouve, parce que c'est des grosses. Et puis, moi, je préfère mettre ça là, les sous là-dedans. Parce que ça, j'aime bien. Faire les tomates au four, j'aime bien. Mmh. Voilà, une, ça suffit. Hein, parce que là, ça fait deux tomates, ça. Hein. Et j'ai profité. J'avais pas envie de prendre des oranges, j'en ai un peu marre. T'as profité pour ton lapin? Moi, c'est les pommes. Oui, parce que des fois, je donne aussi pour Poupoune. Ouais. Quand je la vois et que j'ai une pomme, et ben, on se donne un bout. Mmh. Donc là, je ne sais pas combien de pommes j'ai pris. Attendez. Mais peut-être. On va. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça à une main. Oh là là. Voilà. Elles sont aussi bien grosses, les pommes. Elles sont énormes. Regardez. Elles sont belles, moi. Bon, voilà. Mais elles sont aussi bien grandes. Hein. Ouais. Elle fait ma main. Elle est aussi belle. Elle est aussi bien. J'adore ces pommes-là. Voilà. Donc, j'en ai plus. Donc. Pas ça, quand des fois on a un creux, comme tout le monde, hein. J'ai des fois aussi faim, hein, pas une journée. Donc, soit je me mange pomme, ou soit je mange des biscottes nature pour, voilà, pour manger n'importe quoi. Tu peux en mettre tout le temps, ça fait nouveau. Ouais, c'est pas grave, j'ai le sac. Et j'ai pris mes tomates. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. La plus petite, c'est ceux. C'est celle-là aussi. C'est ceux-là. Les autres, c'est énorme. C'est la moitié et ceux-là, ils sont gros. Ouais. Celle-là, les gros. Vous voyez bien la différence. Hein. Ouais. Ils sont gros. Ouais. Ils sont gros comme mamie. J'en avais pour 9 euros et quelques. À quelques centimes près, j'en avais pour 10 euros. Ouais. Je préfère mettre là-dedans. Ça va très bien. Regarde le tricot là-bas. Hein? Attendez, je dois regarder le tricot là-bas. Regarde le tricot là-bas. Bah oui, si ça te plaît. Et attends, si c'est assez. Bah attention. Oh, j'ai mal, j'ai des courbatures. Auréo ! Et alors ? Aujourd'hui, il m'attend dans sa niche. Ça change, pas toujours au lit. Hein, Auréo ? Ah. Ah. C'est dernier temps, il tombe beaucoup là, c'est bien. Attendez, parce que j'ai qu'une main, j'ai pas envie de défaire. Oh, c'est joli. Non, elle est bien, maman. C'est pas trop gros. J'aime bien. Non, elle est bien. Elle fait un plaid. Avec la laine que je vais ramener, c'est du gris. Elle est jolie. Avec les dessins. 120 mailles. Oh, gros, tu m'y mets. Moi, je peux pas faire ça 120 mailles. Je vais le remettre à sa place sans défaire. Parce que c'est pas que les mailles sortent là. Déjà il y a des motifs alors voilà. Ouais, aujourd'hui il fait moche. Hein. Il fait sombre, il fait pas beau. Hein. Bon, il y a un peu de lumière, mais il fait pas beau. Lui, il fait sa petite sieste. Hein. J'ai toujours pas changé le machin avec les nombres d'abonnés. J'ai toujours pas encore fait. Il faut que je fasse.
Ça, c'est le cadeau de Delphine qui est encore là. Ah, oui. Ça, c'est mon copain. Non, mais oui, de Oreo. Salut Kiki. Salut Bouvelle. Et mon bébé. Ah. Oui. Et alors, ça te plaît? Non, elle est bien, elle est pas. Comme ça, tu dis, elle est bien, moi, j'aime bien. Moi, ouais, non, elle est bien. 120 mailles, j'ai fait. Ah, putain. Et c'est une grand. Une grand. Fait. Ouais. Et c'est une grand-mère qui, je regarde, qui pour a YouTube. Fait le dessin. Mmh. Elle fait que pour les poupées. Ah. Ouais. Elle fait que pour les poupées. Là, je vois la lumière, enfin, l'image de ma vidéo, là, quand je filme, elle est mille fois plus jolie. Quand je fais l'autre sens pour comprendre de face, l'image, elle est floue. Mais pas pareil. Il faut faire, il faut bien. Non, mais Ophélie m'a dit, c'est peut-être, vous savez, les protections que vous mettez sur le téléphone, là. C'est pour pas que quand on casse le. Mais elle était là, pour l'aspirateur, elle était un ouais, peu continue. Elle était floue, oui. Après, il y a le contre-jour, des fois, qui joue aussi. Hein. Ouais. La lumière du jour, quand c'est dessus, ça fait aussi. Voilà, mais j'ai que le téléphone, je ne peux pas faire autrement. Donc, autant, ça fera l'affaire. Non, mais ça va. Et elle m'a dit, des fois, c'est quand vous protégez avec les films que vous mettez sur le devant. Ouais. Là, sur le téléphone, quand tu mets ça, ça fait un peu sur la caméra, là, peut-être ça qui joue. Ah. Ben, on a besoin de protéger le téléphone. Hein. Si tu le fais tomber et que la vitre, elle casse, voilà. Oui, ça, c'est vrai. Ça coûte cher, hein. Non, mais ça me plaît, ce que je tricote. Mais tu le sens, il faut faire attention, hein. Il faut compter. Quand tu fais deux. Tu l'as fait nettoyer alors l'aspirateur, toi? Non, je ne l'ai pas fait. Je le fais deux envers et trois en trois. Et là où ce que tu fais les trois en trois, c'est là que tu fais le tessin. Là, il faut que je change ça. Ouais. J'ai mis des habits pour traîner là. J'ai pas nettoyé encore en bas. Je suis à l'aise dedans. Mais ils sont un peu larges, mais je m'en fous. Moi, je suis à l'aise. Hein. J'aime bien être aussi un peu, des fois, on est cool, à l'aise. Hein. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, je voulais l'utiliser. Là, aujourd'hui, bon, je suis venue, ce n'était pas prévu. Je l'avais chez moi à la maison, tranquillement. Mmh. Oh. Je range ça. J'ai dérangé tous les deux secondes, tranquillement. Et alors, ma mère, elle a fait une soupe. Et après, elle a fait des nouilles à la sauce tomate. Une soupe de ratatouille. Ouais, elle a fait avec des nouilles. Simple, hein, nouilles avec... Ouais. Sauce tomate a chauffé, quoi. Mmh. Voilà. Mais c'était comme ça, c'était pour moi. Voilà, ça nous a suffi. Mmh. Voilà. Voilà. So. Voilà. Bon, on ne m'en voit pas parce que forcément, je tiens le téléphone de ce sens. Donc, je filme là en avant. Mais moi, je suis derrière. Il faut bien que je tienne le téléphone. Attendez. Ah non, mais ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est Véronique tout craché. So. Ya, ya. Good, good. Good, Alice. Skip can be off Chavel. Je suis fatiguée. Je sais pas, vous êtes. À mon avis, vous devez aussi être un peu fatiguée avec le temps là. Salut Aurélien, minimum et pour pom stand. Salut mon copain. Salut mon amant. Aurélien. Celui-là. Il est un peu gros là en bas. Vous avez vu là? Ça prend ici. Hein. Là. Il est gros. Attention à ta ligne, Aurélien. Ça prend là un gros spec. Il a senti mes sachets. Il a sûrement pensé que j'avais ramené de la viande. Hein, Oreo? Tu croyais que j'avais emmené de la viande? Gros spec. Hein, mon bébé? Là, elle va bien te faire maou. 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 Oreo! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la peau de colle, lui. Lui, c'est la peau de colle. En plein et full camp. Mais d'autres, elles sont pas niais, tout le... même la nuit et le matin, je ne sais pas à quelle heure il vient pour vous embêter. Voilà, vous pouvez faire un petit coucou. Mais autrement, ça va. C'est vrai, le temps, il n'est pas. Et ça va durer quelques jours, hein. Ouais. Moi, ça va. Moi, tout le monde va bien. J'espère que vous aussi, ça va. Je sais pas la si routine, vous... hein, la vie de tous les jours, la routine. Je ne sais pas si chez vous aussi, c'est comme ça le temps.
Oui, mais il y en a beaucoup. Oh, ouais. Il y en a que même des sacrés orages. Oui, il y avait même, ouais. Même le vent, il y avait des comment dire, de l'inondation aussi, il y avait, hein, parce que ouais. Je l'ai vu aussi. Hein. C'est le niveau de la période. Hein, ouais. Mais en tout cas, il fait plus doux. Oui. Il fait moins froid. C'est déjà pas mal. Hein. On ne va pas se plaindre. Hein. D'accord, non, c'est vrai. Il faut vivre avec ce qu'on ressent. Hein. Mais un jour, il n'y aura plus rien. So, ben, voilà. Du coup, il y a ma fille qui va venir me chercher. Alors. Oui, me chercher. Me chercher. Me chercher. Bientôt, je vais leur dire me lécher. Bientôt, oh, c'est ce que ça devait grave. On va faire un tour à. Au Leclerc. On va faire un tour là-bas. Ben, ça te fera du bien. Ça te change un peu le cerveau. Ouais, parce que des fois, non, c'est des mauvaises périodes. Hein. Mais c'est tout le monde, hein. Ouais, tout le monde. Mais après, moi. Tout le monde, hein. Et ça fatigue avec le temps, là, tu as envie de dormir, là, des fois. C'est pas rose tout le temps, hein. Non. Sinon, ça serait trop facile, sinon. Il y a des hauts et des bas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait ses griffes. Ah, j'ai dit, mais moi, tu croquettes tout comme maintenant au couloir, lui? Non, il fait ses griffes, il faut que je les coupe. Il faut que j'ai une pince, voilà. Mais je les coupe. Du coup, j'ai tourné, parce que j'ai une crampe, qu'on ne voit pas. Non, la dernière fois, j'ai fait poser là au rebord, je l'ai fait tomber. Hein. Non, non, mais il était pendu. Il faut que j'enlève la fleur parce qu'il y a plein de choses sur le rebord. Ah bon? Ah oui. Oh, c'est rien ça. Mais ils viennent maintenant, il y a des mouches maintenant. Tu le vois. Maintenant, ça vient des mouches. Il y a des mouches, j'ai vu hier, dehors, j'ai vu. Ah bon? Ouais, quand j'ai nettoyé, il y avait deux, trois mouches qui volaient, des petites. J'ai dit, ça y est, c'est reparti. Voilà. Ça commence, les mouches, tu ça commence. Tu veux quelques tomates? Bah, je prends que une tomate. Bah, prends parce que j'ai à foutre. Ouais, bah, tu prends. Une pomme. Thomas s'est inquiété un peu, tu es cassé. Foutu là. Mais c'est quoi si tu veux te faire une tomate farcie ou. C'est celle-là, je prends celle-là. Non, non, il y en a plein qui sont un peu. Ah, là, c'est celle-là. Ah, bah Thomas, alors celle-là, la plus grosse. Voilà, très grosse. Elle a ouais. un peu parce que j'avais dans mon sac là, en mais tissu. Mais là, t'en as aussi. Là, tiens. T'en as aussi voilà. Une. Je dis, qu'est-ce que je fais? Moi, je coupe et je le plante dehors, dans la terre. Le morceau, ça me fait pousser des tomates. Moi, je les cuis, je les mange, je m'en fous. Moi, je suis pas difficile. Non, j'en ai une. J'aime pas avoir de trop non plus. Parce que j'ai horreur que. Non, quand j'ai nettoyé les chaque tomates. Centime, là, chaque centime compte. Regarde, j'en ai une là. Ah ouais. Hein? Et celle-là, je vais la couper en tranches et je vais la mettre dehors dans le truc. Pour faire sécher les graines. Oui. Ah, moi je ne sèche pas, moi je tremble tout de suite. Non, il faut sécher les graines, c'est mieux. Ah, moi je l'ai aussi fait avec après, le. Il faut les mettre dans les tout petits pots en plastique, là, tout petit. Et tu fais les boutures, ça pousse et après tout. Ah bon ouais. Ah, ben bah, là je les laisse sécher. Parce qu'avec les. Ça qui pousse là-bas, je l'ai aussi fait. Fois, on l'avait fait, ça n'avait pas marché quand on a mis les rondelles de tomates dedans. Ça a l'a dit, ça que marché planté là, il a des feuilles. Mais oui, mais les tomates, tu te rappelles pas, on avait fait, je crois, là. Non, il y a deux ans, ça, on avait pas essayé. Oui, ça n'a pas marché. Pour ça, il faut pas prendre juste les graines. Alors, je vais nettoyer, je prends ça au milieu, et je le sors, et je le mets dans un bol, et je rince un peu, pour enlever le reste. Et comme ça, c'est fait, parce que... Il y a des pommes, si tu veux. Oui, pas de problème. T'inquiète pas, mais pour les pourquoi, c'est plus un... T'as plus besoin. Mais tu peux en prendre, j'en aurais pas pris autant. Enfin, moi, je mange souvent, je mange beaucoup des pommes, moi. Ouais. Oui, moi aussi, je mange. Quand vous avez un creux, je mange ça. C'est très bien. Voilà ce que moi, je fais. Quand ouais, tu le vois, une pomme avec une orange, je coupe un morceau, je prends un yaourt. Ah, moi, je fais aussi. Ah, alors, je ne suis pas tout seul. Je ne sais pas, vous aussi, vous faites ça. Moi, je prends un yaourt nature parce qu'on a droit à un produit laitier, mais je ne mange pas tout le temps. Ouais. Et je ne mange pas toujours ma soupe en entrée non plus. Pas toujours envie, hein. Ouais. Alors je prends ma pomme, je la coupe et je trempe dans mon yaourt nature et je mange comme ça avec les morceaux. Ouais, et je le fais aussi avec une orange parce que c'est bon. Ouais, j'en ai encore deux oranges là-bas et une pomme, tu vois. L'orange avait un peu plus que les pommes, tu vois. Et moi je fais ça et je laisse et après je mets au frigo et j'attends. Bon ben voilà, sur ce, on va vous dire à plus tard parce que ma fille va arriver. Alors je vais faire peut-être des petites morceaux de vidéos. Bah oui, ça te fait des vidéos. Ouais, puis ça fait des petits morceaux, un petit peu. Morceaux. 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 Voilà. Bisous, à tout à l'heure. Bonne journée, amusez-vous bien. Voilà.
nous sommes de retour. Alors, de la marque Ecoplus, hein. On regarde tous les prix, hein, bien évidemment. 1,79, en plus, c'est bien affiché. En plus, il y a aussi 500 grammes. Hein. Donc, voilà, je trouvais ça bien. C'est pas trop cher. Voilà. Après, de la marque Ecoplus. Même chose qu'au Lidl, hein, la même. Il y a 250 grammes. Il prend à 95 centimes au Lidl, 199 centimes. Donc j'ai pris ça. Une. Deux. Une troisième parce que j'ai pris une pour ma mère. Là. Après. J'ai pris deux brocolis. Un pour moi et un pour ma mère. Voilà, ça, pour quelqu'un seul, ça suffit. Et ils sont à 99 centimes. Je le sais parce que je les connais à force. Je le ticket, mais j'ai les yeux fatigués. Hein. Oh, Véro. Brocoli, 99 centimes. J'ai trouvé. Je suis chez ma fille, alors j'en profite parce qu'elle a monté ses courses, du coup, voilà. J'ai pris une bouteille de citron liquide, 500 ml. Je sais plus c'était combien ça. Il manque j'ai rendez-vous parce que franchement, le citron. Parce qu'il y a aussi les cours de ma fille là-dedans. Alors je sais plus quoi et quoi là-dedans. Jus de citron jaune, 50 centilitres, 1,98. Ça va, c'est assez raisonnable. Voilà. J'ai pris une moutarde parce que j'en ai encore, mais plus trop, alors autant en prendre une. J'ai trouvé en plus, ils avaient un rayon avec que des verres comme ça. Ils sont jolis, regarde. Un petit carré. Moi, je vais le garder, celui-là, je sais pas encore pourquoi, mais bon, je vais le garder. J'ai trouvé pas mal. Je vais mettre plein de choses dedans, des épices, j'en sais rien, moi. Et... 250 grammes. Je vais regarder si je la trouve parce que là je prends le ticket, j'ai pas envie maintenant de me. J'ai pas grand chose. Moutarde de Dijon 250, 1,95€. Voilà. Après j'ai pris des betteraves rouges en dés en petite boîte. Quand, avant le repas, un petit entrée, voilà. Parce que voilà, ça cale aussi. C'est x3. Il y en a combien de. C'est des petites. 3 fois 200 grammes. Il a marqué 3 fois 100 grammes. Bon, et goûté. Voilà. La marque Leclerc, marque repère. Ils sont où ceux-là maintenant? Une, au cas où c'est la betterave rouge, 1,62. Ça va, je trouve. Oh, Clatier, il passe. Ratatouille, parce que en surgelé, c'est bon, ça commence. J'ai regardé quand j'étais à Picard, merci, à 4 euros. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais prendre dans le bois, puis ça ira très bien, hein, ça fera l'affaire. À Provence, c'est tout aussi bon. Ça l'est même bien fait aussi, alors on ne voit pas ce que ça change. 750 grammes net et la contenance 850 millilitres. Ça ira très bien. Ça, c'est combien maintenant ça? Si je trouve, bien évidemment. Et moi, j'ai fait mes courses en premier. Donc, là, moi, je suis censée les trouver. Ah, la ratatouille, parce que moi, j'ai fait en haut. 1,62. Ratatouille de notre... Ouais, 1,62. 1,62. J'ai le sac en bas. Et j'ai le téléphone qui est comme ça, de travers. Après... J'ai pris, pour changer, des pommes et tout ça. Marque coupée, ça suffit, hein, parce que de toute façon, parce que là où ça rentre et là où ça sort, hein, franchement. Pêche, demi-fruits au sirop léger. J'ai pris ça. Et les pêches sont à 1,62 la boîte. Ça fait plusieurs desserts, ça. Voilà. Attendez, je vais prendre la chaise, je vais mettre le sac sur la chaise. Oh là là. Qu'on voit, oh là-bas,
on les met dans le caddie, du caddie, on les met dans le sac, du sac, on les met là, du sac, on les ressort pour faire la vidéo, et de la vidéo, oh là là. Heureusement que j'en ai pas trop. Après, j'ai pris aussi douceur du verger de la marque Repère, ananas, tranche brisée au jus d'ananas, voilà. Et il y a 565 grammes et goûté 340 grammes, voilà. Ça change un peu, hein. Ça fait plusieurs desserts, ça, en plus. Alors, les ananas, ils m'ont coûté 1,65€ quand même. Hein. Après, ça fait plusieurs desserts, donc ça va, je trouve, c'est bien. Ça se garde quand même. J'ai pris des champignons de Paris, j'en ai pris deux, en gros. Grosse boule. 425 ml. Et goûter 230. Ça va vite diminuer, hein, du 400 à 230. Hein. Donc j'en ai pris deux, la marque Eco. Ça fera très bien l'affaire. Parce que ça, vous pouvez faire juste revenir à la poêle et ça vous remplace le légume. Ouais, c'est des champignons, là, pas grossir. Donc ça, c'est très bien. Ça change un peu. Moi, j'aime bien les boules. Alors les champignons, ils étaient à 1,24€ la boîte. Après, j'ai pris de la sauce soja. Mais salé, parce que des fois je le mets dans mon dans ma sauce à salade pour le yaourt nature et tout. J'aime bien, ça change. Des fois du citron, des fois je prends ça. Je préfère le salé que le sucré. Bon, j'aime bien aussi le sucré, mais plutôt pour celui-là en premier. Et je crois que c'était 1,20€, je crois. On peut faire plein en plus. Sauce soja, 1,19€. Presque, à 1 centime près. Après, un petit coucou, un petit rappel à Corinne, mon amie. Corinne, que vous avez vu dans la vidéo, qui vous répond beaucoup en commentaire à ma place. Pas directement à ma place, mais qui m'allège beaucoup. Mais je vois tout, hein. Je lis, je le vois. Hein. Vinaigre balsamique de Modère. C'est une petite, hein. Parce que j'ai pas besoin de prendre une grosse, ça va me durer des années. 25 centilitres. Et ça, c'est quand elle avait fait du foie gras, elle avait mis un peu ça. C'était super bon quand j'étais invitée, là, la fameuse journée. Donc, elle m'a dit à l'occasion, et j'ai pensé cette fois-ci. Vinaigre balsamique. 1,19€ ? Non. Vinaigre balsamique de Modère ? 1,19€. Ça va, c'est correct. Pour moi, ça me suffit. Je peux faire plusieurs choses avec. Ou même pour remettre... avec le fromage blanc, quand je fais ma petite sauce, un petit peu de vinaigre. Mais bon, je préfère plutôt du citron ou la sauce soja, là. Hein. Du coup. Après, j'ai pris une boîte pour moi, une boîte pour ma mère, pousse de haricots mango en boîte. Ça fait pour l'entrée en salade, quoi. Et c'est 400 grammes, 180 grammes, égoutté. J'ai pris une pour moi et une pour ma mère. Voilà. Et ça, c'était haricot mango, c'est où cela maintenant? Moutarde de Dijon, 1,95. Je ne sais même pas si je vous l'avais dit. Moutarde, c'est 1,95. Non, mais ça, c'est plus à moi, ça. Ça, c'est chiant. Putain. Notre jardin. Là, tu marques comme ça. Hein. Un vin, ananas. Sauce, betterave, trésor, choco, noisette. C'est quoi ça? C'est pas moi ça. Moutarde, capellini, c'est pas moi non plus. Ça, c'est pas moi non plus. Sinon, j'aurais déjà. Ben, je sais pas parce que c'est tellement rempli là avec les courses. Puis le juste citron jaune, 1,98€. Mais je n'avais pas dit le truc ou quoi? Je sais même pas si je vous l'ai dit. Mais c'est pas ça, moi, là. Est-ce qu'il est pas, moi? Citron jaune, 1,98. Brocoli, 99 centimes. Tomate cerise, 95 centimes. Je sais pas. En plus, je vois pas clair. Dame Joker, nous, Kabamuta, Trésor, Votre Sauce, pour bien. Crème soja. Ben, je sais pas. Bon, à mon avis, c'est pas cher. Hein. Je sais plus. En tout cas, c'est pas cher. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde.
Voilà. C'est bizarre que je trouve pas. Hein. Ça me travaille quand même. Ratatouille. Pain de mie, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Sauce, soja, pétrole, trésor, chocolat, moutarde, pardon. Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est pas grave. Hop là. Après, je me suis pris un jus de tomate parce que ça, on y a le droit. Ça me change un peu de boire de l'eau ou du café. Hein. Donc, j'ai pris un. Bon, au fait, elle a pris deux parce qu'elle, avec son jus de tomate, c'est limite, elle est mariée avec. Alors, le jus de tomate, elle est où, là? En fait, j'ai passé de... Je sais pas. Mais j'aime pas là, les tickets là. Jus de tomate, épicerie, charcuterie, crèmerie, fromage, hein, fruits et légumes. Ah, mais c'est bien beau, mais. Jus de tomate. 1,67 la bouteille. Voilà. Vous pouvez mettre du tabasco avec du sel et céleri sur ceux qui aiment. Moi, je le prends nature. Je prends aussi les deux, mais bon, ouais, je préfère l'acheter. Hein. Ouais. Donc, je prends nature. Et c'est des 1 litre. Du jus de tomate. Après, je suis envahi là devant moi. Oh, bah vous aussi. Hein. Je vais mettre ça là parce que ça me dérange. Je me suis pris des compotes de pommes. J'aime bien cette marque là. En plus c'est nouveau. Bah, je me disais bien. Parce que c'est pommes, cannelle, sans sucre ajouté. Et une petite touche de cannelle à l'intérieur. C'est des compotes de pommes. Bah, je me disais bien dit. Quand j'ai vu cannelle, moi j'aime bien. Ça me dérange pas. Oh, finalement, bah oui, c'est nouveau. Il y en a 4. C'est un petit lot, il y en a 4. Compote de pommes. J'aime bien. Bon, c'est pas loin de 2 balles, mais je trouve que ça va. Je vais voir combien il coûte cela. Je sais que c'était pas loin de 2 euros. Concombre, tomate, champignon, brocoli. Oh là là, je... C'est pas ça, donc c'est pas là. Aussi, je suis trop pas là. Je me retiens de hurler. Mais c'est combien les compotes de pommes là? Je le remettre plus loin parce que. Ananas, sauce, betterave, moutarde, Lipton. Ah, ici c'est pas moi. Ah, quand même. Crèmerie, fromage, mais toi aussi t'es pas normal. 1,89. 1,89. Et j'ai pris un autre, je vous le dis tout de suite, 1,61. Ah non, j'en ai pris 3. 1,61. Je vais regarder lequel c'est. Parce que chaque truc n'a pas le même prix. Hein. Alors là, c'est pomme, banane, vanille. 1,61. Comme j'ai vu des bananes, donc c'est celui-là. Pomme, banane, vanille. Il y en a aussi 4. Donc 388 grammes. 4 fois 97 grammes. Et cela, c'était à 1,61. C'est plus de place ici. Et après, j'ai l'autre que j'ai pris. Il est à 2,02 €. Voilà, j'ai plus de tickets, donc c'est bon. Sans sucre ajouté aussi, hein. Enfin, tous les trois, quoi. Pomme, citron avec une touche de basilic. Je ne sais pas de mauvais, ça. Et c'est aussi nouveau. Je vois, je vois, je vais goûter, on verra. Basilic, c'est super bon. Avec le citron, ça doit être super bon, en fait. 4 fois 87 grammes aussi, à l'eau de 4. Voilà. Peut-être qu'il y en a parmi vous qu'on a déjà goûté. Moi, pour l'instant, cela, non. C'est sans sucre, alors. C'est très bon aussi. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Et ça, c'est tous les boîtes. Ça, c'est pas moi. Maintenant, il faut de nouveau tout ranger. En plus, quand on arrive fin de semaine, le week-end, on a la flemme. En fait, c'est passager. Hein. Au moment où on a envie, après on n'a plus envie. Après on a envie, on n'a plus envie. En plus, demain, on va au cinéma avec Florian. Il va regarder Scream. Jamais vu. C'est en je sais pas quoi, là, avec des lunettes 3D. Et puis les sièges qui bougent et tout ça. Parce qu'il n'y a personne qui va regarder avec lui. Donc, c'est un film... de monstres, là, des trucs comme ça, là. Je sais pas quoi, là.
Comme il n'y a personne qui va, Ophélie, elle ne peut pas, il n'y a pas le droit. Ils sont en train de jouer à la console. Je rapporte. Un est au salon, l'autre est dans la chambre. T'as perdu? Parce que vu la tête de Florian... Bon, voilà, maintenant j'ai encore ça à ramener à ma mère. Comme ça, ça sera bon. Attendez, je vous montre. Voilà, le spécimen, il joue à la console. Elle est belle, la vie, elle est belle. Hein. Il est bien dans le jeu. Bon, mais il est bien aussi. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Puis le reste, c'est pas mes courses. Hein, c'est les tourtereaux, là, qui... Ils n'ont pas pris grand chose non plus, ils ont pris des biscottes, des trucs comme ça. Lipton, Ice Tea, des je sais pas qui dit, Barilla, un paquet, ils n'ont pas pris grand chose non plus. Pizza, concombre, tomatron d'un kilo, c'était à 2,49, ça reste encore assez correct. Là, c'est quand même certains trucs vachement moins chers que Lidl. Donc maintenant, je vais faire comme ça parce que, marquez coup, quand je m'en fous, moi, hein, moi, il y a des choses plus importantes que la marque des trucs, hein, c'est-à-dire d'avoir son toit sur la tête. Bon, ben voilà, sinon tout va bien. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, ça ira très bien. Hein. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à plus tard ou à demain, et puis voilà, bisous. Tout le monde, on est samedi matin, on doit être vers les 11h ou quelques, je sais pas trop, en tout cas un peu plus de 11h. Là, je marche tranquillement, comme j'avais fait un peu de course pour ma mère, enfin, j'ai pris 2-3 babioles, quoi. C'était pas trop cher. Donc, du coup, ben, je vais lui ramener. Ça lui fera un petit truc en plus. J'ai fatigué, moi. Enfin, bref, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je suis en train d'écouter de la musique. Ça fait du bien. Aujourd'hui, il fait super beau. Il y a du soleil. Regardez-moi ça. Bon, là, il fait un peu sombre parce que je suis dans l'ombre. Mais il y a un peu de soleil. Il fait bon, là. Pas trop froid, franchement, agréable. Moi, je marche tranquillement. Des fois, je marche vite, des fois, je marche moins vite, ça dépend. Là, ça va. Franchement, je suis chemin parce qu'il y a moins de véhicules, c'est plus agréable. Et puis, normalement, ce soir, on va au cinéma avec Florian. On verra. C'est pas mon style non plus, mais bon, hop. Personne va avec lui. Parce que personne non plus veut regarder ça, donc voilà. Oh, des petits canards. Ils sont juste là. Ah, ça fait du bien. Ça fait un peu du bien. Bon. Sinon, je ne sais pas trop quoi vous raconter plus que ben, la routine, hein, comme tout le monde. Hein. La routine. On avance chaque jour avec ou sans. Voilà. Bon. Sur ce, ben, moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vais vous prendre un peu le paysage tranquillement et finir la semaine. Oh yeah! Ouais. J'entends gueuler. Bon, en tout cas, moi je vous laisse sur ces belles images. Petite vidéo tranquille avec ce beau paysage. A plus, gros bisous à tout le monde, prenez soin de vous.